Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la suite de mon let's play pour Valkyrie Elysium. Alors sur PS4, du coup, hop, on va lancer la prochaine quête principale. Du coup, chapitre 6, ça on a fait, hop là. Ah oui, pardon, chapitre 7, voilà. Doute et métamorphose. Un loup géant et sinistre apparaît devant la Valkyrie et ses énérars. Il s'agit de Fenrir, la cause même du tourment qui agite le monde. Donc effectivement, on a vu Fenrir la dernière fois. Odin, peu troublé par la réapparition de son ennemi juré, ordonne à la Valkyrie de tenir bon et de poursuivre la recherche des trésors. Il y a un quatrième trésor effectivement à trouver, on a trouvé déjà les deux premiers. Et le troisième a été volé par Fenrir. Et là du coup, on va se mettre en quête du quatrième trésor. Alors il y a un nouveau sort en récompense de cette mission, de ce chapitre 7. Donc déjà le chapitre 7, ça passe vite. Hein. Alors j'en profite pendant qu'il y a le temps de chargement. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Déjà likez la vidéo bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo et lâchez vos commentaires bien sûr. Donc voilà, dites-moi tout. Hein. Si vous avez déjà commencé le jeu, si vous hésitez un petit peu. Peut-être que vous l'avez même déjà fini. Parce qu'il est sorti il y a déjà un bon mois. Hein. C'était fin septembre, le 29 septembre. Donc sur PS4 et PS5. Alors. Et là du coup j'ai tous mes énérars, j'ai les 4. Hein. D'accord, donc elle a senti la trace du dernier trésor. Alors, chapitre 7, donc doute et métamorphose. Donc, trouver les trésors ensemble. En fait, il en reste qu'un. Hein. Franchement, la DA, elle est superbe. Hein. Vraiment magnifique. Ok, donc on commence doucement. Donc là, il y a un petit trésor, un petit coffre. Donc potion magique augmente temporairement votre attaque magique. Ok. Alors, hop, on va vers l'objectif. Ah, je me suis fait avoir là. Ah, là il y a un coffre d'ailleurs. Alors, il y a pas mal de combos différents à faire hein, avec les armes de la Valkyrie. Et chaque arme a ses combos différents. Hein. Parce qu'on a des épées, il y a des javelots, lances. Donc il y a quand même pas mal de possibilités, et puis on a des sorts aussi. Donc là, élixir moyen restaure une quantité moyenne de la jauge de santé, ok. Donc on continue. Ah, faut aller... Peut-être faire le tour là. Là, il y a un nouveau coffre. Ah. Ok, là j'en ai trop des élixirs des arts. C'était pas par là. Ah, il y a des ennemis là, ok.
Ah, y'a pas mal d'ennemis quand même là, franchement. Ça fait des bons combats. Bon, c'est bien parce que plus on récupère de gemmes, plus ça permet d'améliorer nos armes ou les compétences de la Valkyrie. Hein. Soit des compétences de soutien, d'attaque, de défense. Oula, j'ai plus beaucoup de santé, vite. Voilà, le sort de soins. Ah, il y a plein d'ennemis, hein. Ils s'arrêtent pas, il y a des vagues d'ennemis qui n'arrêtent pas d'arriver. Ah, je récupère plein de gemmes, là. Je pense qu'après, je vais pouvoir améliorer les stats de la Valkyrie. Jetterai un petit coup d'œil au menu après. C'est bon là? Ok, d'ailleurs il y a un cristal de sauvegarde. Hein. Alors juste avant, je vais regarder. Alors la défense par exemple. Prolongation des actions techniques. Vous donne plus de temps pour effectuer des actions techniques. Esquive furtive, garde chirurgicale, inversion, parade des contre-attaques. Ok. Ok, donc après je ne peux pas. Soutien. Ah, d'accord, donc là je peux pas. Et attaque. Non, là je peux pas, ok. Alors, améliorer arme, est-ce qu'on peut ou pas? Non, il manque des gemmes. Ok, on va juste sauvegarder. Alors, faut juste regarder si j'ai pas loupé un coffre. Ouais, voilà. Faut bien regarder les petits recoins. Donc 10 gemmes argentées. Faut bien faire attention dans les petits recoins. On ne sait jamais. Ah, là, il y a une fleur illusoire. D'accord, donc d'après la légende, un dragon doté de sagesse vivrait au sommet d'une colline et protégerait l'épée du démon. La Levatain, ok. Une attaque frontale serait inutile contre un tel monstre, et seule une arme aussi puissante que Levatain pourrait le blesser. D'accord, ok.
Allez, on continue. Oula. Alors on va invoquer un NRR là pour m'aider. Alors je peux aller par là. Bah là de toute façon on peut pas hein. Clairement le précipice il est trop grand. Il n'y a pas de... Non on peut pas. Donc faut vraiment passer par la gauche. Il n'y a pas de petit coffre qui traîne. Donc là on arrive dans un village. Il y a un escalier ici déjà. Non, là on peut pas y aller, ok. Alors, il y en a d'autres là? Ouais, il y en a d'autres. Alors, c'est bien de varier les NRR. Parce que plus on invoque un NRR, plus il améliore ses, son attaque et sa défense en fait. Hein. Enfin, je crois que c'est plutôt l'attaque et les PV, si je dis pas de bêtises. À vérifier en fait, à vérifier. Oula, j'ai ma santé qui pop. C'est pas bon. Ah, j'ai pas fait attention. C'est pas grave, on va reprendre au dernier point de contrôle. Allez, on reprend du coup. Ah, le sorcier m'a envoûté là.
Ok, donc là c'est bon. Donc on sait, on doit repartir à gauche là. Hop, petit achèvement. Allez, on rappelle les dernières rares là. Pour nous donner un petit coup de main, c'est quand même pas mal d'ennemis qui déboulent. Celui-là c'est bon. Ah, on va attaquer le magicien. Les magiciens ils sont chiants, ils peuvent mettre des sauts pour nous empêcher d'invoquer ou nous empêcher d'utiliser des compétences magiques. Bien fait d'esquiver là. Ok, là ça a l'air bon. On a récupéré pas mal de gemmes. Hein. Alors je crois que j'avais vu un petit coffre dans le coin. Il me semble que j'avais vu un petit coffre. Alors j'ai rêvé. Alors c'est par là qu'il faut aller. Bon, il y en a un là évidemment. Mais juste avant, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. En plus, on peut aller là. Ou alors c'est peut-être. Ouais, peut-être que... Faut passer là aussi. Alors déjà, il y en a un ici, ok. Oui, là, il y a juste le coffre, en fait, ok. Donc, élixir moyen, ok. Donc, on va par là. Ah, je me suis fait avoir par surprise là. Oula, faut que je me soigne. J'ai plus que la moitié de mes PV. Voilà, le sort de soin. Bon, s'il reste que lui, je vais pas réinvoquer un erreur. Hein. C'est pas la peine. Ok, là c'est bon. Allez, on continue les amis. Moi je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore ce jeu, franchement. Rien que pour l'ambiance, même les combats sont sympas. Il y a pas mal de possibilités de gameplay. Et encore, je sais que j'utilise pas toutes les possibilités de gameplay. Hein. Dans les combos des armes, il y en a beaucoup plus. Je retiens pas tous les combos, parce qu'il y a quand même beaucoup de combos en fait qu'on peut faire en réalité. Un peu vraiment en mode chill fun.
Mais on voit que voilà, même en faisant un petit peu en variant les touches un peu au pif, on déclenche les différents combos hein. Et en plus voilà, avec des mouvements aériens aussi, il y a des combos aériens spécifiques. Donc franchement, c'est un jeu très complet. Donc là, il n'y a rien à faire, ok. Bon, je vérifie au cas où. Alors. Donc c'est par là. Ah oui! Là, on va appeler l'Enerar. La dernière, hein. Qui permet de brûler, voilà. Des ronces. Et là, ça dégage le passage. Et là, hop, on fait ça, voilà. Alors, d'ailleurs, est-ce que je peux lui débloquer des trucs à la Valkyrie avec toutes les gemmes que j'ai récupérées, là? Attaque. Ouais, explosion d'âme niveau 2. Si vous absorbez 2 âmes avec triangle, vous pouvez exécuter explosion d'âme niveau 2. D'accord. Alors, défense. Prolongation des actions techniques. Invocation de soutien inversion. Alors, on sauvegarde quand même. D'ailleurs, avant, est-ce que je peux améliorer une arme? Non, là, j'ai plus assez de gemmes. Allez, on sauvegarde. Hop. Moi, je suis très content. Je vais terminer le jeu, hein, dans tous les cas. Ça, c'est clair. Alors, j'ai vu, d'ailleurs, qu'il y avait 9 chapitres. Donc, je pensais qu'il y aurait un peu plus de chapitres que ça. Mais, donc, du coup, j'avais lu que ça durait 20 heures. Donc, je sais pas si ça dure 20 heures, parce qu'il y a des chapitres que j'ai fait en 1 heure. Il y en a d'autres en 1h45, hein, quand même. Donc, après 20 heures, c'est vraiment en prenant peut-être un peu le temps. Même si j'ai pris quand même... voilà. Je fais pas non plus du méga rush, hein, parce que j'essaie de regarder quand même toutes les zones, si je loupe pas des trucs. Après, je sais pas, est-ce que ce chapitre-là va encore durer 1h45? Et pareil, le chapitre 8, chapitre 9, peut-être qu'ils vont être très très longs si ça se trouve. Oula, vite, 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 faut que je me soigne. Ok, donc là, il y avait quand même pas mal d'actions. Alors, un nouveau coffre ici, dans une bâtisse. Donc là, c'est bien, potion de puissance, pour améliorer temporairement l'attaque physique. Ok. Là, dans le coin, il n'y a rien. Bah, c'est le cristal. Bon, j'en profite, je vais quand même sauvegarder. J'en profite.
Ouais, c'est par là. Il n'y a pas une fleur illusoire, si. Il me semble en avoir vu une, là. Alors là, c'était un hennissement de colère. Donc, je sais pas, c'était peut-être l'âme d'un cheval, en fait. Allez, on va monter les escaliers. Ok, nouveau point de sauvegarde. Alors, nous, niveau supérieur. Je sauvegarde quand même, hop là. Alors, est-ce qu'on va assister vraiment au Ragnarok? Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que la semaine prochaine, il y a God of War que je vais faire sur la chaîne, hein, God of War Ragnarok. Donc voilà, il y a des thématiques communes aux deux jeux. Alors je peux aller là ou là. Alors on va d'abord voir ce qu'il y a dans la porte, derrière la porte. Ah, la clé du deuxième clocher. Ok. Ah, c'était loin après en fait. Donc ça c'est bien, augmente la taille maximum de la jauge d'âme. Ça c'est nickel pour invoquer des énergies rares. Et gemme argentée. Ok, alors je vais tout de suite utiliser. Donc dans les objets, hop là, ambroisie d'âme. Voilà, ça a augmenté la jauge. Hop là. Et on peut aller là ici ou pas? Ah oui, on peut grimper. Par contre, je sais pas s'il y avait un truc à récupérer. Non, il y avait juste un pont brisé, ok. Je vais quand même sauvegarder, comme ça sera fait. Par rapport à ce que je viens de récupérer. Ah oui, mais il y a là, et... Ouais. Faut que je regarde à l'intérieur, les escaliers, où est-ce que ça mène. Ça se trouve, il y a un truc à récupérer. Hop là. Ouais, il y a un coffre, évidemment. Assez logique. Ah, élixir des arts moyens, je ne peux pas emporter plus, ok. Je crois que c'était comme à un autre endroit, il y avait ça aussi. Et là... Ok, bon là du coup je vais avoir une bonne vue d'ensemble.
Ouais, d'accord, ok. Il y avait juste les coffres. Alors, on continue. Voilà, on va là. D'accord, donc là, il y a un mec, apparemment. Ah oui, on l'a déjà rencontré, lui. D'accord, lui il cherche l'amour de sa vie. Il cherche une personne qu'il a perdue. Ah, on va l'aider à retrouver sa copine, sa chérie. Bon, finalement, on laisse se débrouiller, d'accord. Ah, nouveau mal de crâne. Ah, si ça se trouve, c'est elle, sa chérie, transformée. Parce qu'on le voit souvent, lui, de ce mec-là. Je sais plus son nom, hein. Dans ses souvenirs. Ça se trouve, la Valkyrie, c'est une femme qui a été ressuscitée avec des pouvoirs mis au service d'Odin. C'est sûr, c'est lui, hein, c'est le jeune homme à qui on parle. Puis elle, c'est ses souvenirs à elle, hein. Logiquement. D'accord, il a oublié son visage, d'accord. Bon, on verra plus tard si ma théorie est juste ou pas. Maria, oh, on le reverra, c'est sûr. Donc continue de chercher les 4 trésors, ok. Aller là. Alors on va voir, parce que là il y a un coffre aussi à récupérer. Hop. J'aime rubis x10. Alors on continue.
Après, il y a une grille. J'ai invoqué deux Zenerars pour m'aider. Encore, bon, je vais invoquer un Zenerar quand même pour m'aider. Ok, là ça a l'air bon. Moi j'aime beaucoup, beaucoup le gameplay, franchement. Il y a de tout petits ralentissements, je trouve, des fois dans l'action. Mais c'est vraiment, bon, minime. Hein. C'est, ça n'entache pas vraiment le plaisir du jeu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Non, il manque un petit peu de gemme violette pour améliorer la jauge de santé. Je vais attendre un petit peu. Alors, est-ce qu'on va trouver ce dernier trésor? En fait, c'est Odin qui nous a mis. Pour ceux voilà, qui ne savent pas, hein. C'est Odin qui nous a mis, qui nous a demandé de rechercher 4 trésors, 4 armes puissantes, pour lui donner plus de puissance, pour l'aider à vaincre Fenrir et éviter du coup le Ragnarok. Hein. Et on a déjà réussi à récupérer 2 trésors. Le troisième, on l'avait trouvé, mais Fenrir l'a trouvé avant nous. Enfin, c'est même Hild 2, hein, c'est une autre Valkyrie, mais qui est au service de Fenrir, ce qui est assez bizarre. Normalement, les Valkyries sont au service d'Odin. D'ailleurs, elle était avant au service d'Odin, mais elle a trahi pour aller dans le camp de Fenrir. Je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est un peu mystérieux. Et donc le troisième, Hild 2 l'a trouvé avant nous. Donc elle a embarqué. Donc nous, on a 2 trésors et eux 1. Et le quatrième, on va voir qui va l'avoir, si c'est nous ou le camp de Fenrir. Hop, n'oublions pas le petit coffre. Oula, alors là il y a plein d'ennemis. On va récupérer plein de gemmes. En plus, j'en récupère plein des violettes. Je vois, ça s'affiche à gauche.
Ok. Alors, la jauge de santé, je vais peut-être pouvoir l'améliorer. Ouais, là c'est bon. Voilà. L'attaque, là je peux pas l'augmenter pour l'instant. Attaque physique, attaque magique, ça sera les prochains trucs. Prochain truc intéressant. Ah, il y a aussi sa réduction de dégâts physiques et magiques. Ça aussi, ça pourrait être intéressant après. En ayant plus de gemmes. Pour ça, c'est vraiment important d'aller régulièrement dans le menu de la Valkyrie. Parce qu'avec les gemmes, on peut améliorer ses stats. Et aussi, bah, voilà, améliorer les armes au passage. Hein, débloquer des combos différents. Des nouveaux combos. Et plus on se bat avec une arme, plus elle devient puissante en fait. Hein. Et aussi voilà, en améliorant l'arme dans le menu avec le cristal de sauvegarde. Hein. Alors là il y a deux portes, donc on peut aller là. Là il y a un coffre, ok. Ah, donc ça je peux plus le porter, ok. Alors donc on va aller là. C'est pas... Bah si, c'est là d'où je viens en fait, je crois. Ah d'accord, ok, en fait fallait aller ici, donc je retourne finalement là où j'étais, hop là. Donc c'était juste une zone en plus hein, en haut, ok. Ah, j'adore le jeu magnifique, et puis la musique, l'ambiance musicale est super envoûtante. J'avoue, je suis pas forcément enfin, pour le fait d'acheter des OSC de jeu, mais là, l'OSC de Valkyrie Elysium, je sais pas si c'est dispo, si c'est en vente, mais j'avoue, c'est envoûtant, c'est zen, c'est poétique. Des fois, au début, il y avait des chants, un chant féminin qui était super beau au début du jeu, dans un thème. Ah, c'est vraiment une musique magnifique. Hein. Ah! D'accord, donc là on a débloqué une sous-quête, ok. Allez, on continue, donc là, on va brûler le passage. Enfin, brûler les ronces pour libérer le passage. T'as déjà 45 minutes de let's play, waouh, ça passe super vite. Ça passe super vite, les amis. Ouais, la mandragore, elle m'a... Ouais. Elle m'aime pas. Là, faut vite que je me soigne. Vite, 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 vite. Je sors de soin, voilà. En fait, c'est un peu comme des mini-boss, hein, ceux-là, franchement.
Ok, c'est bon, on l'a vaincu. Là, y'a rien. Ok, donc c'est juste là-bas qu'il faut aller, je pense. Alors, on va monter les marches. Oula. Des lions en armure, là. Nickel. Allez, c'est la récolte des gemmes là. Alors je crois qu'il n'y a pas de DLC malheureusement prévu pour ce jeu. En tout cas pour moi, hein. Parce que je sais que le jeu il a été accueilli tièdement. Je crois qu'il y a des sites qui ont bien aimé le jeu quand même. Des sites de jeux vidéo. Il y en a d'autres qui l'ont trouvé un peu moyen. Ou en tout cas perfectible. Qui n'ont pas été charmés. Après voilà, c'est pas le jeu de l'année. Je crois pas qu'il ait vocation à être un triple A, hein, dans tous les cas. Je pense pas que ça a été le même budget comme The Diophil Chronicle, hein. C'est pas un triple A non plus. Mais ça n'en reste pas moins des très bons jeux, hein, des jeux très quali, hein, franchement. De toute façon, s'il n'y avait que des triple A qui valaient le coup, il y a plein de jeux, bah, les jeux indés, voilà, on jouerait à seulement un quart des productions, quoi, et encore. Même pas, si ça se trouve. Hein. Donc, voilà, il faut quand même de tout. Et ce jeu, vraiment, est très intéressant dans l'ambiance et même le gameplay. Alors ça... Je ne peux plus emporter. Et puis il est joli, hein, franchement. Alors ça mettra peut-être pas autant la claque que, bah, que God of War Ragnarok, voilà, qui sort bientôt. Mais il vaut largement le coup. Hein. Et puis ça vaut le prix, hein, franchement. Voilà. Donc 20 gemmes argentées. Donc là, le cristal de sauvegarde. D'ailleurs, je vais regarder. Est-ce que du coup, elle peut améliorer sa défense? Ah non, il manque encore un peu des gemmes violettes. Ok. Ou alors dans l'attaque, peut-être qu'il en faut moins, je sais pas. Non, pareil. C'est la même chose. Ok, donc... Il faut encore un petit peu de gemme violette. Alors, nouvelle vague d'ennemis... Thank you.
s'il reste que celui-là ennemi, y'a pas de soucis. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'il était allé dans le sol, là. Ok. Ah, là, y'a un coffre. Alors là, il faut aller où? Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose pour... Non, ah bah ici. Ah, des nouveaux ennemis. Ah, plein de sorciers. Allez, 3 sur lui. Alors, réduit temporairement les dégâts physiques et magiques que vous subissez. Donc ça, c'est la potion de garde. Hop là, donc on doit aller vers le bas. Voilà, ça c'est d'où je viens. Ok. D'accord, donc c'est par là qu'il faut aller. Ah oui, d'accord, c'était bloqué, oui, j'étais obligé quand même de passer par là, d'accord. Alors, hop, double saut, le cristal de sauvegarde. Il y a un coffre ici. Faut vraiment avoir l'œil partout, moi j'aime bien ça. Ok, gemme argentée. Ah, c'est bon. Réduction des dégâts physiques et réduction des dégâts magiques plus 5%. Nickel. Hop là. Allez, on continue. Moi, je passe un très bon moment avec ce jeu. J'espère que vous aussi, en ma compagnie. Et vraiment, si vous ne l'avez pas fait, moi, je vous le conseille. Et en plus, ce qui est bien, si vous voulez vraiment au moins voir manette en main le game feeling, hein, voilà, votre ressenti, vous pouvez tester le jeu. Il y a une démo dispo hein, sur PS Store, que ce soit sur PS4 ou PS5. Donc voilà, moi, je peux que vous conseiller au moins de tester la démo. Et comme ça, vous ferez vraiment une idée vraiment précise. Ah, voilà, c'est ici. J'ai pas eu ce cristal tout à l'heure. Ok, donc hop, on grimpe. On récolte les gemmes.
Nouveau coffre. Ils sont très généreux en coffre là, en ce moment. Alors, on continue. Donc là, il y a un ennemi, ok. Ah, il y a un coffre. Ouais, on peut pas l'ouvrir pour l'instant, faut vaincre les ennemis avant, ok. Oula. Là, il m'a eu avec un coup de massue. Je pense que lui, son élément, c'est les ténèbres. Donc, c'est pas mal de lui envoyer un Nénérar qui manie le sacré. Oula, on va se soigner là. Oula, je me suis fait choper. Ok, super. Un sort de soin. Ok, nickel. Là, il va nous donner plein de gemmes. Voilà. Alors, donc là, il y a un coffre. Ah. Donc ça, on ne peut plus emporter. Ah oui, c'est le coffre qui était scellé. Tant que les ennemis étaient vivants. Alors, on continue. On continue, on continue. Nouvelle bonne vague d'ennemis. Bon, comme ça, c'est bien, ça permet de, aux Nénérars de progresser, hein. Vu que je peux en invoquer, en fait, faut en profiter. Dès qu'on peut en invoquer, autant profiter. Parce qu'après, ils nous aident, bon, déjà sur les petits ennemis, mais aussi sur les boss, hein. Donc, faut vraiment pas s'en priver. C'est une aide vraiment appréciable. Ah, il y a encore un coffre scellé là. C'est des petits parce que les petits nous laissent pas tranquille après les petits monstres. Ok, là c'est bon. Ah non, il y en a encore des ennemis là. Oh là, d'accord. On va appeler encore des Nénérars là.
une grosse vague d'ennemis, t'en bats plusieurs, et il y en a encore plusieurs qui arrivent en fait. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Bon, au moins c'est bien, on récolte plein de gemmes. Par contre, il faut que je me soigne. Vite, 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 vite. Faika, je vais donner un petit coup de main. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle vague ou c'est bon là ce coup-ci? Je pense que c'est bon. Ah, il y a une grosse vague d'ennemis là, franchement. On a fait 695 combos apparemment. Enfin 695 hits plutôt. Ok, donc élixir d'âme restaure une grande quantité de la jauge d'âme. Donc ça c'est très bien. Très pratique si on manque de jauge d'âme pour invoquer les énérares. Alors. Donc, là ça se trouve j'ai de quoi améliorer son attaque. Hein. Ouais. Attaque physique plus 50. Bon, l'attaque magique ça sera après. Mais c'est vrai que j'ai récolté beaucoup de gemmes là en une série de combats. C'est aussi pour ça que les let's play peuvent être assez longs. Vu quand même la masse d'ennemis qu'ils nous mettent dans les pattes. Ça rallonge quand même la durée de vie. Hein. Ah, nouveau cristal de sauvegarde. Allez, on va l'utiliser. On va pas se faire prier. Alors, est-ce qu'on peut améliorer une arme? Non, pas là. Allez, on sauvegarde. On est à une bonne heure de let's play. Il y a deux grands escaliers. Ah, il y a des trucs à droite et à gauche. Non, à droite juste. Ok, nouvelle vague d'ennemis. Enfin, ils sont trois, hein, mais bon. Par contre, là, faut éviter les boules noires là qui lancent, sinon ça nous empêche d'utiliser nos capacités magiques et d'invocation. Je pense que mes énérares ils vont bien s'améliorer aussi avec tous les combats qu'ils ont fait là. Je pense qu'ils vont bien s'améliorer.
Et on peut aller ici maintenant. Alors, donc on peut monter par là. Donc on va voir ce qu'il y a. Ah, et un coffre important en rouge. La clé du palais à Romalie. Ok, une jolie clé d'ailleurs. Une sorte de dragon dessus, j'ai l'impression. J'ai regardé vite fait. Ah, il y a un petit coffre ici. Ok. Gemme argentée x30. Ah, là, il y a un levier. Ouais, donc on peut aller là, mais j'aurais bien aimé savoir là. Ah oui, il y a un autre coffre, ok. Augmente l'attaque physique de 50. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une rune qu'on peut équiper. Elle est pas mal celle-là. Alors, équipement. Là, moi j'ai Bolverk. Et en termes de runes, j'ai mis quoi? Bonus d'attaque magique plus 25. Ouais, mais là c'est attaque physique plus 50 carrément. J'en ai pas mal des runes quand même. Ah, mais j'ai celui-là qui est... Oui, je pourrais le déséquiper celui-là. Mais c'est sur une autre arme. Le bonus d'attaque physique plus 30, là plus 50. J'ai aussi des runes pour réduire des dégâts physiques magiques. J'ai des runes pour restaurer la jauge d'âme et la jauge des arts, ok. Bon, c'est bien aussi d'améliorer l'attaque magique, mais là, le bonus est plus important quand même. Ok, nickel. Ah, il y a une fleur illusoire ici. Donc ça, on va ouvrir ici pour sortir. Par contre, j'aurais bien voir les escaliers qu'il y avait dans la salle principale, ici là. Voir ce qu'il y a en haut quand même. Ah mais c'est pas la vague d'ennemis que... auquel j'aurais pu avoir accès tout à l'heure là peut-être. Si ça se trouve ça se joint en fait hein. J'ai été aidé par Christopher notamment. Ouais, c'est possible parce que là du coup il y a ça. Ouais, il y a ça ici. Donc je pense qu'effectivement ça se rejoignait. Hein. Ok, ça se rejoignait. D'accord. Donc on peut aller là. Là il n'y a rien à récupérer ici. Non. Bon là il y a un coffre mais c'est par là qu'on va y aller. Et après, rien d'autre... Non, ok. Hop là. Hop. On a utilisé la clé du palais. Donc là, il y a un petit point de sauvegarde. Ah, on peut monter ici. Non, il manque encore des gemmes violettes, ok. Alors, on sauvegarde. Bon, je pense qu'on va arriver vers la fin du chapitre quand même bientôt, là. Presque 1 heure et quart de let's play.
Pour l'instant, les plus gros chapitres, je crois que c'était le dernier, 1h45. Et c'est vrai que petit à petit, les chapitres deviennent de plus en plus longs. Donc je pense quand même qu'on arrive vers la fin du chapitre. Il n'y a pas de coffre. Hein. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller là? Voilà, il y a une fleur illusoire. Là, il n'y a pas de coffre dans les recoins, là. Non. Là non plus, on dirait. Ok, donc. On va aller par là. Ah d'accord, on a fait apparaître quelqu'un en se mettant sur le sur cet objet. C'est île 2 peut-être, non? Ouais. Ah, c'est là qu'il y avait le trésor? Non. D'accord. Elle a volé le trésor avant nous. Donc on en a deux. On en a deux et ils en ont deux du coup. D'accord. Donc elle trouve qu'on est bête d'obéir à Odin, ok. D'accord, donc on va l'affronter. Encore la toucher une fois. Potion de puissance, on va augmenter l'attaque physique. Oula, vite, on va se soigner. C'est une vraie anguille, hein, franchement. Elle arrête pas de bouger. Ah,
Par contre, elle utilise des attaques de ténèbres. Je ferais mieux d'équiper. Une attaque sacrée. Elle a esquivé. Heureusement que j'ai des fioles de soins. Vu que j'ai pas trop utilisé les fioles de soins dans les coffres, du coup j'en ai gardé. Donc c'est pas mal d'utiliser la magie de soins quand on peut. Comme ça, ça permet de conserver les objets de soins et de les utiliser quand on manque de fioles de... Oula. Bon, c'est bon. Bon, en même temps, je peux utiliser des élixirs des arts moyens, voilà. Ou élixirs des arts grands. Hop là, vu que j'ai rien du tout, voilà. Ah! On n'est pas allé au bout. Alors, quel est le vrai but d'Odin, du coup? Pourquoi est-ce qu'il rassemble toutes ses âmes? Ah, elle se transforme? Non, elle s'échappe. Non, elle s'est enfuie. Bon, ben on saura pas le fin mot de l'histoire, hein. Peut-être un petit peu après. Ah bah oui, ils ont deux trésors, ils avaient le précédent déjà. Peut-être qu'on est dans le mauvais camp en fait, hein. C'est peut-être Odin qui veut détruire le monde, ça se trouve. Alors c'est un chef du coup qui est un peu plus court que le précédent en fait, j'ai l'impression. Hein. Donc là on va faire notre rapport à Odin. Donc, d'abord il y a un trésor évidemment. Donc je crois que c'était une incantation. Hein. Une nouvelle incantation. Donc un parchemin pour l'art divin, élimination mortelle 2. Ok. Donc là, il y a le chemin au Valhalla. Il n'y a rien d'autre à récupérer dans le coin, au cas où. Ici. Non, c'était peut-être là d'où on venait. Ok. Allez, on va au Valhalla. On va parler à Odin. Alors d'ailleurs, bon, j'ai obtenu un trophée. Ce qui est bien, c'est que... Même si la quête principale n'est pas si longue que ça, parce que je crois qu'on est là au chapitre 7, voilà, chapitre 7, et que logiquement il y a 9 chapitres en tout, donc il reste que 2 chapitres. Après, il y a beaucoup de quêtes secondaires, j'en ai fait quelques-unes de mon côté, et il en reste quand même pas mal à faire, et là, voilà, je pense qu'on peut largement doubler la durée de vie du jeu, donc ça se rapproche peut-être des 40 heures hein, avec les quêtes secondaires. Hein. Et elles sont sympas à faire, hein, franchement, donc il y a des incantations en plus,
Ça permet de voilà, mettre de l'XP, etc. Développer un peu le lore, voilà, et puis du fun avec le gameplay. Donc là, rang A. Alors mes NRA, voilà, ils ont bien augmenté. Plus 140 par exemple pour Aegon en attaque. Ok. Plus 20 en magie. Cypher, je l'ai invoqué 43 fois. Cypher, 18 invocations. Plus... Alors c'est quoi, en tout ou dans cette partie-là? J'aurais invoqué 43 fois là. Cypher, plus 54 en attaque, plus 54 en magie. Mais il est en retard par rapport en termes d'attaque par rapport à Aegon. Hein. Bon, en magie par contre il dépasse. Hein. Christopher, plus 50, plus 20. Et Taika, plus 40 et plus 80. Bon, Taika elle est en retard évidemment vu que c'est la dernière qui a été qui a fait le pacte avec la Valkyrie. Ok. Donc on retourne à Asgard, au Valhalla. Alors j'en profite vu qu'il va y avoir un petit temps de chargement. Voilà, avant de vous quitter, parce qu'on arrive vers la fin du let's play, hein, on va parler à Odin, mais donc j'en profite, si vous voulez soutenir la chaîne, voilà. Likez la vidéo, partagez la vidéo, bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Et puis profitez-en pour lâcher vos commentaires au passage. Et pour rappel, donc là je fais Valkyrie Elysium, donc on arrive vers la fin, hein, puisqu'il ne restera que deux chapitres. Les quêtes secondaires, bon ça je l'ai fait de mon côté parce que il n'y a pas de grand intérêt scénaristique. À part voilà pour rajouter des petits éléments, mais bon, c'est pas. Peut-être qu'Odin lui cache, nous cache quelque chose, hein. Allez, on va parler à Odin. On fait notre rapport. Il est pas content là. Ah, l'un de ses avatars a localisé Fenrir. D'accord, elle nous confie Gleipnir, la corde qui a attaché Fenrir, et même elle ne peut pas s'en libérer, ok. Donc je vais partir à la recherche de Fenrir au prochain let's play, prochain chapitre, waouh. D'accord, donc là ça va être très intéressant. Donc je vais faire ce prochain let's play très très vite pour vous le mettre sur la chaîne. Puis même pour moi aussi, hein, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va affronter Fenrir?
Ok, bon, c'est cool. Bah écoutez les amis, j'espère que ce let's play vous aura plu. Ah, une petite scénette, voilà, une petite scénette en plus. Voilà, on a pour mission de traquer Fenrir. Voilà, Fenrir est puissante, donc il faut se préparer à tout, hein. Faut être prudent. ヒルドの言葉を気にかけている様子ならばその真意フェンリルに問うてみれば。 申し訳ありません。つい言葉が過ぎてしまいました。いや、大丈夫だ。フェンリルの生物に向かおう。 Ok, donc là, on va sauvegarder, les amis. Donc, moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.